صنع في المغرب نموذج لأجهزة التنفس الاصطناعي، براءة اختراع مغربية 100%، أياد وكفاءات وراء التصنيع. شركة أفياراي المغربية التي تأسست سنة 2013 بادرت إلى إنتاج وتصميم نماذج أجهزة تنفس اصطناعي خلال جائحة كوفيد-19. هذه الأجهزة قطعت أشواطاً من التجارب والتطوير والإنجاز لتصبح معتمدة في المستشفيات. أداء أجهزة التنفس الاصطناعي عالي الجودة وقادر على العمل المسترسل لأزيد من 3000 ساعة. تزامناً مع جائحة كورونا، تطوع مختلف العاملين والمهندسين بالشركة لجعل كفاءتهم رهن إشارة المغاربة. الجهاز وجه لمن كانوا وسط قاعات العناية المركزة في غرف التنفس الاصطناعي. ضمن مشاريع عمل الشركة أيضاً عدد من الأجهزة المستخدمة في صناعة السيارات وفق نماذج حديثة. المزيد حول تخصصات الشركة مع سعيد بن حجو المدير العام لأفياراي. Avyarai, comme le nom l'indique, c'est une société qui est spécialisée dans l'aviation et le railway, donc dans tout ce qui est aéronautique et ferroviaire. C'est une société 100% marocaine que j'ai créée en 2013 et qui fait partie des rares entreprises vraiment qui vont travailler pour des métiers de l'aéronautique directement pour le Maroc et pour l'export. Donc maintenant, Avyarai, jusque-là, travaillait en effet sur tout ce qui est aéronautique et ferroviaire. Mais avec l'arrivée du Covid, nous nous sommes concentrés sur des produits médicaux. تجنّد الشركة لخدمة المغاربة خلال الجائحة كان متميزاً. أفياراي الشركة بدت رائدة في الصناعة الطبية، حشدت أطورها لتطوير أجهزة للتنفس الاصطناعي. Juste avant le Covid, tous nos ingénieurs se sont dit bon, maintenant c'est une situation floue, surtout sur l'avenir. Et comment on peut utiliser nos compétences et toutes les briques technologiques que nous avons au service des citoyens marocains. Du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée, et bien évidemment sous haute instruction royale et l'appui fort du ministère de l'Industrie, on a lancé cette idée avec d'autres industriels du GIMAS, donc le groupement des industriels marocains de l'aéronautique et du spatial dont je suis secrétaire général. Donc on a fédéré tout un réseau d'entreprises avec nous qui pouvaient complètement couvrir la réalisation complète de A à Z d'un respirateur 100% marocain. Donc les deux leaders, c'était donc Avyarai pour la partie ingénierie et SERMP pour la partie manufacturing. Et on s'est reposé sur tout le réseau du GIMAS et de la FENELEC, donc la Fédération de l'électrique et de l'électricité. المقاولة تعتمد التطوير والبحث العلمي للوصول إلى تطوير هذه الأجهزة بكفاءة عالية. هناك معايير جمالية تراعى فيها الجوانب الفنية وأخرى مرتبطة بالجودة. Pour le respirateur, on a essayé de respecter les différentes exigences médicaux concernant le volume, la pression, l'écrasement du ballon. On a essayé de faire une chose de haute qualité pour aider les gens, pour être un produit qui est innovant 100% marocain. On a besoin de projets avec des entreprises les plus grandes au Maghreb. Nous avons des projets ناجحين 100%. D'abord, nous travaillons avec PSA, les Fnetra. على واحد البروجي اللي كيدير سويفي مع لوبيراتور، يعني مثلا كيقول له راك كملتي ليطاب البروميير ايطاب، كملتي دوزيام ايطاب، سي لوبيراتور نسى شي ايطاب كيعطيه اون الارم، كنديتيكتيو بانه ما كملش وكنديرو اون الارم. سي لوبيراتور مثلا ما ركبش شي كومبوزون في بلاصتو، ما كيتحسبش داك الكومبوزون، كيتحسب بحال كاع ما ركبو وكيقول له راه ما ركبتيش. خدمنا بزاف ديال البروجي في هذا بالكاميرا، منهم هذا، منهم بروجي ديال ماتيس كيديتيكتي لي كابل واش سون كونفورم ولا لا ديال الطياره، منهم في لينيرجي رونوفلابل كنديتيكتيو السولي بالهيليوستا، كنديتيكتيو البروجيكسيون ديال السولي مع واحد التارجيت اللي كيعطينا واش البوزيسيون اكزاكت اللي خصو يكون فيها الكونسنتراسيون زعما ماكسيموم. الطاقات المتجددة، صناعة الطيران، وعالم السيارات،
قطاعات تنشط فيها الشركة بشكل مستمر منذ 8 سنوات. C'est important avec ce respirateur et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a fait en quantité. Parce que c'est toujours faire une seule pièce, c'est à la portée de beaucoup de gens. Par contre, pouvoir faire un produit et l'industrialiser et le réaliser à grande échelle, dans, en l'occurrence, dans notre cas, on a réalisé 500 unités, c'est vraiment une autre organisation qui se met en place. شركة أفياراي صممت حديثاً جهازاً لحماية الطائرات من الحرائق. نظام للتحسيس بهذه المخاطر يمنح الإطفائيين بالمطار سبقاً في التعرف على مصدر الحرائق لحظة اشتعالها. هاجر صلاحي مسؤولة عن المشروع بالشركة تفسر تفاصيل هذا الابتكار الذي سيعزز أسطول الطائرات المغربية مستقبلاً. Je fais partie de l'équipe qui a travaillé sur la conception du respirateur. Mis à part cela, nous travaillons sur des projets aéronautiques, ferroviaires et énergétiques. Et parmi eux, je peux citer le projet du simulateur feu, qui est un projet qui consiste en la recréation réelle d'un avion en feu et sur lequel les pompiers à l'aéroport peuvent venir s'exercer et faire des exercices pour lutter contre les incendies sur aérodrome. Du coup, nous avons recréé cela à l'échelle 1, notamment une partie de l'aile d'un Boeing 737 et une aile d'un ATR 512. Du coup, ça permet aux pompiers de s'exercer à l'évacuation des personnes à l'intérieur de l'avion. Voilà, pour recréer des conditions réelles et qui ne travaillent pas uniquement sur la théorie ou sur quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la réalité quand il y a un incendie sur des aéronefs. القطع المستعملة في مجالات كصناعة الطائرات والسيارات والأسلاك الحديدية تصمم وتصنع بدقة في هذه الآلات مغربية الصنع 100%. La machine à commande numérique, c'est une machine qui fait de l'usinage, du fraisage de haute précision, usinage grande vitesse. C'est une machine à quatre axes. C'est spécial. C'est fait pour faire la machinerie spéciale Made in Morocco. On fait l'étude et la réalisation et on fait la conception ici. Donc on peut faire de très grandes précisions avec une grande vitesse. Alors les pièces usinées dans cette machine, elles sont utilisées dans tous les domaines, médical, automobile, aéronautique et machines spéciales. Donc dans toute l'industrie en général. هذه الكفاءات المغربية الشابة تراهن على المساهمة في تطوير جميع روافد الاقتصاد الوطني في مجالات كبرى كالطاقات المتجددة ومجال صناعة السيارات وصناعة الطيران. L'objectif maintenant n'est plus de juste avoir créé un respirateur, mais il serait dommage de ne pas utiliser cette opportunité pour créer une économie, une industrie du médical au Maroc. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes surtout au Maroc, généralement, des consommateurs de technologie et on importe beaucoup de nos produits. Donc là, aujourd'hui, on s'est réunis avec plusieurs industriels et nous sommes en train de créer un écosystème autour d'un cluster du médical qui devrait se lancer dans les prochaines semaines. شركة أفياراي تعتمد الذكاء الاصطناعي في تصميم الأجهزة ثلاثية الأبعاد مع الميكانيك الدقيقة في مجال صناعة الطيران. هشام لحلو مصمم مغربي اشتغل على تجويد نموذج وتصميم هذا الجهاز الخاص بالتنفس الاصطناعي قبل إخراجه إلى حيز الوجود لفائدة المستشفيات المغربية. بالنسبة لهشام لحلو فأكثر ما يغري باقتناء سيارة أو هاتف نقال يكمن في جودة التصميم ولذلك يرى أن جودة تصميم الأجهزة المصنعة هنا ستزيد من الإقبال على استخدامها في الأسواق. Aujourd'hui, le design, on démontre ici qu'il y a le 100% made in Morocco, mais le 100% made in Morocco, il y a toute la chaîne de valeur. Parce qu'on a beau penser que c'est juste l'ingénierie ou la technologie, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone ou une voiture, il y a de l'ingénierie, il y a de la technologie, il y a beaucoup de choses. Mais c'est la première chose qui vous pousse à acheter un véhicule ou un téléphone, c'est son design. C'est ça qui le rend attractif et qui le positionne vis-à-vis d'autres produits.
Et aujourd'hui, nous devons, aujourd'hui, alors, au moment où on parle pendant cette crise, et on a, Inch'Allah, j'espère que ça sera fini bientôt, mais il faut prendre conscience que le design a toute son importance et qu'il faut l'intégrer dans l'écosystème au Maroc et dans d'autres pays africains comme étant un levier puissant pour la croissance économique, pour la création d'emplois, pour la formation professionnelle, pour la formation. Aujourd'hui, au niveau du système universitaire au Maroc, le design n'est pas enseigné. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire un design de produit, design industriel, design interactif, en bachelor, en master, jusqu'à demain un PhD en doctorat. في عمله ركز هشام لحلو على اعتماد تصميم المكيف مع مختلف الأجزاء التي صممها المصنعون من خلال رسم الغلاف الخارجي. الرقمنة والذكاء الاصطناعي لهما أهمية كبيرة في تحسين جودة خدمات الشركات خاصة الكبرى منها وهو ما تقوم به شركة أفياراي. Avant d'arriver au dessin, donc le design c'est de mettre en place une méthodologie qui répond à un cas de figure qui est celui-ci. Là on est dans le domaine de la science et de la médecine. Et comment, par rapport à tous les besoins qu'eux ont besoin, nous on essaye de matérialiser ça sur une vue extérieure. Et puis aujourd'hui c'est un produit qui peut être facilement exportable dans d'autres pays parce qu'il répond à toutes les caractéristiques qui sont technologiques, ingénierie, fonctionnelle, validé par des médecins, par par tout un corps médical, parce que c'est quelque chose qui va être utilisé dans des hôpitaux, des cliniques ou des unités mobiles. Et puis il est joli à regarder. Donc le but c'était aussi mais d'être l'autre semaine, même dire si Hazar qui soit. Déjà quand quelqu'un est malade, c'est pas agréable. Si en plus l'objet est joli à regarder, qu'il a un look sympa, ben ça donne un plus. تماشيا مع جائحة كورونا أيضا صمم هذا الجهاز المغربي الصنع 100% ثلاثي الوظائف. En ce qui concerne Aviarise, on s'est basé vraiment sur un savoir-faire d'ingénieur marocain qui nous a permis de réaliser ce respirateur dans un temps record. Et ce savoir-faire, nous l'avons développé grâce aux différents secteurs que nous adressons, dans les énergies renouvelables, par exemple avec Mazen, dans l'aéronautique, avec les aéroports du Maroc, l'ONDA, avec des players mondiaux comme Airbus, Safran, Thales, dans le ferroviaire, avec Alstom ou Ansaldo Breda, sur la partie conversion d'énergie et produits propres avec OCP, l'ONE. C'est-à-dire vraiment, on a développé toute une technologie et un savoir-faire localement, et ça, c'est une vraie marque et une vraie différence qui est dans l'ADN d'Aviarai et depuis sa création. تنديروا اي حاجه فيها التكنولوجيا يعني الديجيتال يعني كنحاولوا نلقاو حلول للمشاكل اللي كيكونوا غالبا في الصناعه والمثال هو بيسا شركه ديال بيسا اللي دخلنا معها كولابوراسيون في دي بروجي وعطاتنا هاد لا شانس اننا نخدموا في دو بروجي لو بروميير اللي هو هذا سي ان بوتي بروتوتيب En général, les industriels, par exemple, améliorer le service de qualité de la production. Donc, PSA, pour battre la technologie de traitement d'image, pour détecter des failles de la production. Et comme ça, on a réduit la hasard de la bien sûr. Nous aussi d'autres projets, maintenant qui est le projet du domaine du solaire, de l'énergie solaire. Nous avons un produit qui s'appelle DustOut. C'est un produit qui a le problème de la gbra qui s'attrape en fait la surface des pompes, les panneaux photovoltaïques, parce que c'est le problème numéro 1 dans le monde. Donc, il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui se penchent sur lui. حطينا واحد الاقتراح ولو برودوي دابا كاين هو بروتوتيب دابايا وفي لي تيست
دونك عندنا دي كليون بيلوت اللي خلانا فرصه اننا نمشيو نتستو عندهم ان شاء الله. سان برودوي بروميتور سورتو في دومين ديال السوليه باسكو لو ماروك سي السوليه. آليات لإنتاج الكمامات وأخرى لتوزيع المواد المعقمة. ليس هذا فحسب، فهذا الجهاز مثلاً تم تطويره بكفاءات مغربية، يقيس الحرارة ويوزع محاليل التعقيم بشكل اعتيادي. ضمن الأجهزة المصنعة هنا أيضاً ما يرتبط بصناعة الكمامات. من هذه الوحدة الصناعية التي تنسب إليها علامة صنع في المغرب، غادرت الكمامات وأجهزة التعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي نحو الأسواق والوحدات الاستشفائية. Ici, on est en présence d'une machine à fabriquer les masques, toujours dans l'esprit COVID-19, et pour faire face justement et pour alimenter le marché national et éventuellement faire de l'export. Cette machine permet de faire des masques type chirurgicaux conformes aux normes européennes et internationales. Aujourd'hui, moi-même, j'ai été dirigeant dans des multinationales étrangères, en France ou aux États-Unis. Mais la création vraiment d'Avia Rail au Maroc, c'est vraiment un concept particulier auquel je tenais, de pouvoir créer une entreprise qui va concevoir des produits ou de la propriété intellectuelle 100% made in Morocco. Et ça aujourd'hui, dans ce concept-là, nous sommes assez uniques puisque nous concevons pour des tiers et nous concevons des produits 100% made in Morocco qui vont nous déjà pour le Maroc éviter d'importer, d'avoir une autonomie technologique, mais aussi ces mêmes produits-là vont être exportés dans la région en Afrique ou voire même en Europe ou ailleurs. Et vraiment ce concept est intéressant. D'ailleurs c'est comme ça qu'on a créé à quatre entreprises en 2013 un cluster d'électronique et maintenant on est plus de 80 et je préside ce cluster d'électronique, qui est le cluster CE3M, le cluster d'électronique, mécanique, mécatronique du Maroc. Et on est parti de 4, on est 80, toujours dans ce concept de création de valeur ajoutée made in Morocco. Et c'est ce qui nous a sauvés pendant la pandémie du Covid, c'est que nous avions des briques technologiques aujourd'hui disponibles. Et dorénavant, l'idée, c'est vraiment d'élargir ce concept au-delà de quelques entreprises, mais à toutes les entreprises marocaines pour vraiment gagner en autonomie technologique, en souveraineté technologique et ne plus être dépendant d'importations, voire même créer de la valeur ajoutée pour le Maroc et pour l'export. جهاز التنفس الاصطناعي المغربي 100% هو الآن في طور التصنيع بكميات كبيرة بعد حصوله على مصادقة وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص كافة مراحله التي سنطلع عليها عن كتب في هذه الوحدة المختصة في صناعة أجزاء الطائرات في منطقة النواصر بالدار البيضاء. Cette opération sont ce qu'on appelle assemblage mécanique. Donc cette مرحلة هذيك جميع الميكانيكي من اللي كتجي من بعد لوزيناج. Donc chaque respirateur il doit subir une fonction de vérification. Si bon, on part à la deuxième étape, si pas bon, on fait le retouche. Donc le marhala l'oula, l'assemblage câblage. جهاز التنفس الاصطناعي يعتمد في ضخ الأكسجين بالون أكسجين موصول بنظام ميكانيكي يعطي للمريض حاجياته من كمية الأكسجين دون حاجة تدخل الطبيب أو الممرض، فالطبيب أو الممرض يقوم في البداية بضبط جهاز التنفس الاصطناعي بالكمية المطلوبة للمريض على أن يعمل بشكل أوتوماتيكي في باقي المراحل. أنا أعطيهم كنترولي في الفاز الأخرى ديال الأنسومبل قبل ما يتليفرا الكليون، تنفيريفي هنا لاسبي جينيرال ديال لاسبيراتور، تنفيريفي بليزيوغ فونكسيون ديالو سويفون واحد لابليكاسيون اللي كتعطينا كاع لي فونكسيون ديال لاسبيراتور، منهم الفوليم، لو بيب، لا فيتاس لا ديسون،
et la pression maximale ne passe pas de passer là. Donc ça tient aussi les il a quand شي مشكل في لاباراي كيعطينا المشكل ديالو باش نحيدوه اليمينيو قبل ما تمشي للكليون. اختبارات دقيقة تمر منها الأجهزة هنا قبل مغادرة هذه الوحدات الصناعية. شركات رائدة في عدد من المجالات وطنيا تستفيد من خبرة شركة أفياراي بواسطة حلولها المتعددة في مجالات متنوعة. كفاءات مغربية وراء كل ورشات الإنتاج هاته، كل ذلك صنع في المغرب.